Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo parce que je suis en plein boom. Demain c'est le salon, donc là je suis en train de tout préparer pour charger la voiture demain matin de très bonne heure parce que je vais prendre la route à 6h30 du matin parce que j'ai une heure de route pour aller jusqu'à Carvin. Il faut qu'on soit là-bas vers 7h30-8h, donc je préfère prévoir d'arriver vers 7h30. Et vu le temps pourri qu'on a, je ne vais pas rouler à 130 à l'heure sur l'autoroute. Donc je préfère partir tôt, ne pas risquer un accident, surtout, et arriver à l'heure là-bas au salon. Le salon, comme vous savez, il va ouvrir à 10h, hein, donc pour celles qui ne sont pas encore au courant depuis que je le dis, c'est un salon de scrapbooking et de loisirs créatifs, excusez-moi, j'ai une poussière dans l'œil, de scrapbooking et de loisirs créatifs, donc qui se passe à Carvin, donc c'est avenue de Montaigne, c'est à la salle Pascal, c'est une salle de sport, donc c'est de 10h à 18h. Et donc j'espère qu'on aura quand même du monde. Enfin, normalement demain il y a des éclaircies. On verra bien. Et donc là aujourd'hui je suis en plein. C'est Hiroshima ici. Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a dans mon couloir. C'est une vraie catastrophe. J'ai terminé mes dernières créations hier. Hier dans la fin d'après-midi. Donc là, je ne vous ai pas fait une vidéo pour les dernières créations, mais je vous ai mis dans la communauté de YouTube, hein, vous irez voir la toute dernière déjà en photo. Donc c'était des boîtes gigognes. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la communauté, il y a la photo. Mais demain, au salon, déjà avant l'ouverture, dès que j'aurai préparé mon stand, je ferai une vidéo et je vous la mettrai en ligne tout de suite sur YouTube et je la mettrai en ligne sur Facebook pour que vous voyez mon stand déjà. Et puis j'essaierai de refaire une petite vidéo entre deux, voilà, pour vous montrer un peu l'atmosphère du salon. Voilà. Je viens d'aller quand même en vitesse à Action. Parce que vous vous rappelez, j'avais acheté les nouveaux feutres pour mon mari et là, ils sont en promo. Et puis, je me suis dit, je veux les nouveaux feutres aussi. j'étais chercher les nouveaux feutres pour moi. Donc, je vais certainement revendre les anciens que j'ai utilisés très, très peu d'ailleurs. Et donc, moi, je me suis racheté donc les nouveaux. Ceux-là, hein, c'est les boîtes de 36 feutres. Voilà. Je vous les remontre comme ça, mais je vous les avais montrées dans la précédente vidéo All Action, mini All Action. Donc là, les pointes, il n'y a plus la pointe. Alors, je vous montre de près. Il n'y a plus la pointe marqueur. Il y a une pointe brush et une pointe fine. Voilà. Donc ça, c'est la première boîte. Il n'y a que deux boîtes. Donc ça, c'est les couleurs un peu pastel, un peu... les marrons, les gris, voilà, le noir, tout ça. Vous voyez? Et la deuxième boîte, c'est des couleurs un peu plus vives. Voilà, donc là, il y a les bleus, les verts, les roses, les violets. Il y a un rouge quand même. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il y a du jaune. Il y a pas jaune, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Il n'y a que vraiment celui-là. Alors, à moins qu'ils ressortent des boîtes encore après, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différents jaunes. Mais bon. Donc, voilà. Donc, je me suis repris les deux boîtes, hein, les tout nouveaux feutres. Donc là, ils sont en promo encore jusqu'à mardi. Ils sont à 7,95€ au lieu de 10,95€. Donc, moi, je les avais eu à ce prix-là pour mon mari. Allez-y. Bon, moi, à Quai-Brochin, le rayon était encore plein. Donc, il n'y avait pas de souci. Mais bon, allez dans votre Action, allez voir s'ils y sont encore, si vous les voulez. Donc là, c'est des boîtes de 36. Hein. Les précédents, c'était des 24. Hein. Les précédents, c'était... Alors, c'était...
Ça, d'ailleurs, on voit, hein, là, ils sont plus légers. Voilà, c'était ça les précédents. Hein. Il n'y en avait que 24 dedans. Voilà. Et bah, j'ai repris des tampons. J'en ai deux surtout qui m'ont fait de l'œil. Donc celui-là, avec les petits chats. Il est tout mignon. Plein de petites filles. Vous voyez? Trop chou. J'ai pas mon ticket de caisse, hein, comme d'hab, mais je crois que c'est 89 centimes, ça. Mais bon, vous savez les prix, hein, maintenant, Action, on n'a plus trop à s'embêter. Celui-là. Alors, celui-là, je l'adore. Le petit hérisson, le petit renard. Il est trop beau. Trop chou, aussi. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Oups, pardon. Donc, avec le petit flacon, la petite branche de houx, les petites branches de feuilles. Hein. Donc, la petite branche de houx va servir, bah, pour le Noël, Nouvel An. Celui-ci, donc je pense que c'est des nouveaux, hein, ceux-là. Je ne les avais pas vus avant. Donc, pareil, les deux petits flacons et puis les petites fleurs. Voilà. Et le dernier, alors les tasses à café, avec les petits grains de café, les donuts. Ils sont trop mignons, les donuts. Voilà. Et les petites phrases, hein, mais, but first coffee et coffee always good idea. Voilà. Bon, c'est un peu plus difficile à placer, ça, mais je les aime bien. Et ben, je me suis repris quand même un bloc. Mais celui-là, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le précédent, hein, que j'avais pris. Donc, j'ai pris celui-là. Vous voyez? Alors, je vais essayer de vous montrer. Parce que là, j'ai pas mis mon téléphone sur pied. Mon pied est en bas. Et du coup, j'avais la flemme de redescendre. Voilà. Il est avec du foil aussi, donc il n'y a pas de... C'est une page à la fois, il n'y a pas de recto. De recto verso. Oui, il n'y a pas de verso, voilà. Donc des OOO. Des petits rennes. Encore des petits rennes. Ça, c'est un grand, comme ça. Bon, c'est plus difficile, ça, les grandes feuilles comme ça. Là, des petits flocons de neige. Alors ça, c'est ça que j'ai aimé. Vous voyez? Là. Ça, j'ai bien aimé. Là, pareil, c'est un grand. Ça, c'est plus difficile, hein, même pour mettre une photo dessus ou quoi. Bon. Mais bon. Là, c'est des petits points. Alors, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Là, je veux des petits motifs, des petits sapins. Là, c'est des Merry Christmas. Là, encore plein d'étiquettes. Voilà, j'aime bien les petits hiboux, là. Là, les boules de Noël. Là, des... bon, il y a tout, là. Merry Christmas, Holiday, Santa Claus. Là, c'est des petites feuilles de houx. Il est beau, celui-là. Là, c'est juste bleu. Il n'y a rien dessus. Les petits rennes. Encore. Voilà. Des étiquettes. Des grandes images comme ça. Pour les cartes. C'est super. Je pense que ça doit faire 15-15 en plus. Je vais regarder, vérifier. J'espère. Tic, tic, tic. Ouais. Pile pour les cartes 15-15. Les petits sapins,
des petites lignes. Voilà. Là, les chiffres pour faire les calendriers de l'Avent. Il y a des zigzags. Et c'est tout. Voilà. Bon, il manque toujours les 2020, mais bon, ça, je vais m'acheter un tampon, je crois, parce que... Donc, voilà. Et j'ai trouvé... Alors, ça n'a rien à voir avec le scrap, le bricolage et le loisir créatif, mais je vais m'en servir ce week-end, donc demain au salon. C'est une vanity case pour le maquillage. Voilà. C'est toute belle, toute brillante. Alors, moi, je l'ai vue dans cette couleur-là et en blanc. Mais bon, je voulais la blanche, mais la blanche, il y avait plein de colle qui dégoulinait. Mais bon, en fin de compte, je préfère quand même celle-ci parce qu'elle sera moins salissante, vous voyez. Elle est en promo cette semaine. Donc ça, je me rappelle du prix, là, du coup. 6,95€. Voilà. Et bien sûr, je ne l'ai pas acheté pour mettre mon maquillage. Hein, parce que, bon, je ne suis pas une accro du maquillage, vous l'avez déjà... remarquez, donc avec sa petite fermeture comme ça, voilà comment elle est à l'intérieur. Hop, ça c'est le petit c'est le petit sachet pour l'humidité. Bon, il y a un petit miroir, je pourrais me voir si je veux en bricolant. Regardez, coucou, vous me voyez là. Voilà, donc c'est tout en fin velours collé, hein. Mais bon, donc là, on peut mettre les petits, comme c'est noir sur noir, les petits outils. Et puis là, il y a quand même pas mal de place pour mettre pas mal de choses. Donc, je vais la prendre pour moi ce week-end, puisque au salon, je vais faire une boîte au salon. Donc, comme ça, je vais y mettre mes outils dedans. Ça va être très bien. Je vais enlever le papier. Voilà, moi je la trouve, c'est vraiment très jolie. Non, elle est belle. Donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Là maintenant, je vais tout finir de préparer. Pour que j'oublie rien. Donc pour celles qui viennent au salon, je remercie déjà d'avance. N'oubliez pas que je fais également sur le stand une tombola. Bon, là, je ne peux plus en montrer parce qu'elle est déjà emballée, mais celles sur Facebook l'ont vue. Et vous vous rappelez, la boîte livre blanche avec le dessus molletonné, avec le tissu blanc fleuri, rose. Voilà, c'est cette boîte-là qui est à gagner sur mon stand. Et donc c'est juste sur inscription, j'ai fait des petits papiers où on va inscrire son nom, son numéro de téléphone, son email. Voilà, et pour mettre ça dans... Ah oui, il faut que je regarde après une boîte pour ça. Mince, j'ai oublié ça. Et puis on va mettre les petits papiers dans une boîte et je ferai le tirage au sort vers 17h demain sur mon stand. Voilà. C'est tout. Là, maintenant, je vais pas faire la vidéo plus longtemps parce que je vais cavaler, là, aujourd'hui. Et puis, je voudrais essayer de me reposer un petit peu cet après-midi. Et puis, ce soir, dodo de bonne heure, hein, parce que lever à... Ouais, je vais bien me lever vers 4h30, 5h. Donc, il faut quand même que je dorme parce que je vais être toute seule pour prendre la route. Mon chouchou ne veut pas venir avec moi. Donc, je vais faire la route toute seule. Et donc, il faut que je me repose pour être en forme, pour prendre la voiture. Donc, voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis, on se retrouve. Écoutez, demain, je vous mettrai une vidéo de mon stand. Donc, il n'y aura pas sur la vidéo, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas le truc comme il y a sur mes autres vidéos. Hein, vous voyez, comment on appelle ça? On voit mes créations à l'atelier de Didit avec la musique, tout ça. Parce que là, je ne pourrais pas le faire. Hein, sur mon téléphone, je ne pourrais pas. Mais bon,
principal, c'est que vous voyez mon stand. Donc en même temps, ben, je vous filmerai un peu le stand aussi à Sylvie, hein, de la boutique Pick & Patch, puisqu'elle sera à côté de moi. Comme ça, vous verrez son stand aussi. Et puis, voilà. Bon, maintenant, j'y vais. Je vais continuer à tout ranger, mettre dans mes caisses, tout, rien oublier. J'ai fait ma liste. Je suis en train de cocher pour rien oublier. D'ailleurs, je vois que j'ai ma prise là. Ah, faut que je la débranche. Elle est là. Ça, il faut que je la prenne. Elle est encore branchée au mur, donc il faut que je la prenne. Un petit peu à la fois, des fois, je vois un truc, je dis, oups, ça, il faut que je le prenne, je ne l'ai pas noté. Parce que là, à une heure de route, on ne va pas me ramener les choses. Hein. Non, non, non. Et puis, la semaine prochaine, ben, rebelote cartonnage, hein, parce que là, j'ai deux commodes à faire. Donc, une à finir, qui était déjà en route, et une nouvelle à faire. Voilà. Et puis, ben, et après, on verra hein, par rapport au salon, si j'ai eu des commandes ou pas. Et puis, si vous voulez passer des commandes, ben, vous pouvez toujours hein, par le biais de soit de mon email, qui est en barre d'infos, ou soit par mon Facebook, hein, que vous passez par le Facebook, par la boutique ou par mon Facebook personnel. Il n'y a aucun souci. Allez, je vous laisse. Bon, Fifi n'était pas là aujourd'hui, elle était en bas. J'ai pas voulu la faire monter parce que je vais vite. De toute façon, vous le voyez à mon débit de parole. J'essaye d'aller plus vite possible. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Puisque là, demain, du coup, vous aurez une vidéo. Je vais vite monter celle-là pour que vous l'ayez aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain au salon de Kervin. Allez, gros bisous. Bonne journée à toutes.